Aujourd'hui, on vous emmène à CNB, Construction Navale Bordeaux. C'est 1200 salariés aujourd'hui. C'est le plus gros industriel de la région. Ici, on fabrique des catamarans qui sont les plus beaux au monde. Des catamarans jusqu'à 30 mètres quasiment. Ce sont des catamarans qui sont avec un savoir-faire extraordinaire aujourd'hui. Et donc, on est avec Yann Maslow, qui est le directeur général. Alors, racontez-nous un peu l'histoire, parce que ce chantier, en fait, c'est construit quasiment sur un hasard, puisque le président actuel, Dieter Gust, voulait justement terminer son catamaran. Et C'était pas un catamaran, c'était un monocoque, en l'occurrence, c'était un grand voilier. Dans le chantier dans lequel il faisait construire, avait fait faillite, c'était en Vendée. Et en fait, il a cherché un site pour finir ce bateau en reprenant les salariés qui construisaient ce bateau-là. Et en fait, il construisait deux bateaux en parallèle, puisqu'il y en avait un autre pour un monsieur qui était en fait un bordelais, un propriétaire de château. Et c'est lui qui a réussi à avoir des contacts avec la mairie de Bordeaux et qui ont trouvé ce site ici, Quai de Brazza, qui à l'époque était vraiment une friche industrielle, puisque c'était à l'abandon et le dernier chantier avait fait faillite après la deuxième crise pétrolière à la fin des années 70. Donc ils se sont installés sur ce site en 1987. Et alors le succès a été tel justement du chantier qu'en 1992 le groupe Beneteau décide d'en faire une filiale et aujourd'hui vous avez 1200 salariés, on est là dans les bâtiments, vous avez 10 hectares et demi, c'est énorme quand même, c'est un développement, vous êtes quasiment l'un des plus gros employeurs de la métropole, c'est extraordinaire, vous continuez à nouveau de recruter 100 personnes, c'est quoi la clé du succès ? Alors, je crois qu'on a la chance d'être sur ce marché du grand bateau de luxe où il y a un savoir-faire français qui s'exporte très bien. Et en fait, CNB exporte près de 90% de son activité. Donc on est très reconnu à l'international. Et avec deux marques ici, on a les grands voiliers d'origine qui s'appellent CNB Yacht, des très beaux voiliers qui vont de 19 mètres à beaucoup plus grand, puisqu'on a fait jusqu'à 37 mètres. Et puis on a la marque Lagoon, qui est leader mondial du catamaran. Et ça, c'est devenu la référence. Et vous faites aussi bien à voile qu'à moteur. Hein. Alors Lagoon, effectivement, vous avez raison, on est revenu, à l'origine c'est la voile, et on est revenu au catamaran moteur il y a 3 ans maintenant, et ça marche très très bien. Alors comment ça se passe au niveau de la production là? On est sur le site, qu'est-ce qu'on voit justement là? Alors on est dans notre dernier bâtiment qu'on a inauguré l'année dernière, qui s'appelle Bordeaux 6, qui est le bâtiment destiné à la fabrication des plus grands Lagoon, qui est le 70. Donc, il est un catamaran de 23 mètres. On a deux versions, à voile, il s'appelle 77, ou à moteur, il s'appelle 78. Et voilà, c'est une très grande pièce en composite, c'est assez exceptionnel. Et en fait, on est un des seuls chantiers au monde à être capable de fabriquer des bateaux de cette taille-là à un tel rythme de production. À un niveau industriel, alors c'est quoi la clé? À un niveau industriel, en fait. On est venu sur ce marché du grand catamaran, on l'a lancé il y a un peu plus de 2 ans, en se disant il faut faire comme le reste de la gamme Lagoon, avoir un rapport qualité-prix qui est imbattable sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes quasiment 20% moins cher que les concurrents. Souvent, oui. Très souvent. Ça dépend des tailles après, mais on est souvent très bien placé. Et quand on a lancé ce Lagoon, le 70, il y a 2 ans, en l'espace de 6 mois, une fois que les clients l'ont vu sur les différents salons, on l'a présenté, on a récupéré à peu près 4 ans de carnet de commandes. Alors c'était une réussite pour nous, c'était surtout un plaisir de se dire qu'on a investi lourdement dans ce bâtiment, qui est un très grand bâtiment. Combien vous avez investi à peu près? On ne communique pas là-dessus, puisque ça fait partie des investissements en tout cas, du groupe Beneteau. Mais oui, c'est en millions d'euros. Et on a recruté du personnel pour lancer ce bâtiment. Et on s'est dit qu'on ne s'est pas trompé parce que 4 ans de carnet de commandes, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'était c'est assez rare aujourd'hui dans l'industrie. Ouais. Ouais. Et vous avez recruté combien de personnes, par exemple, sur les 2 dernières années? Alors l'année dernière, on a fait 150 personnes. L'année d'avant aussi. Et cette année, on est sur un plan à 100 de personnes. Et quels sont les profils que vous recherchez? Alors en profil, on est sur principalement des opérateurs dans les métiers du composite, les métiers du bois, ce qu'on appelle la carrosserie, c'est les gens qui sont capables de faire de la finition de coque, de la finition de pièces composites, et électriciens et plombiers.
Alors je reviens sur le savoir-faire industriel. Qu'est-ce qui vous a permis d'être moins cher? Parce que vous avez beaucoup investi, notamment sur le process. C'est votre process industriel qui vous permet d'être 20% moins cher que les concurrents. Exactement. Et c'est que là, en fait, on discute souvent, on a la chance dans le monde du nautisme d'être dans une industrie où on s'entend bien avec nos concurrents. Et très souvent, ils nous disent, on ne comprend pas comment vous sortez les bateaux à ce prix-là. Ou comment vous en faites autant. Avec de la qualité, évidemment. Avec la qualité, bien sûr. Et là, je dirais que c'est le savoir-faire, pas seulement de CNB, mais surtout du groupe Beneteau. Il y a un savoir-faire industriel en matière de process et de fabrication de bateaux, que ce soit du tout petit au très grand, qui est inégalé aujourd'hui dans l'industrie. Alors décrivez-nous un peu ce qu'on voit justement là. Comment ça se passe au niveau de la production? Parce qu'il y a vraiment un savoir-faire, on le voit, tout est parfaitement organisé, c'est extrêmement méticuleux. Chaque mètre carré est pensé quand même. Oui. Hein. C'est pensé, dans l'organisation, puisqu'ici on est dans la partie montage du Lagoon 70, avec en fait 4 postes de montage. On a une zone ponte, un premier poste de montage ici sur lequel en fait on attaque toujours au départ tout ce qui est mécanique, plomberie, électricité. C'est les 3 éléments que l'on met en premier dans tous les bateaux. Et on suit après avec tout le montage meuble. Et une fois qu'on a mis les meubles dans toutes les coques, on va venir prendre le pont qu'on a préparé séparément et le poser sur le bateau. C'est ce que l'on voit là au poste 3, où le pont est maintenant sur son bateau. Et après, on a un poste 4 où on est dans la finition. Et alors au total, ça prend combien de temps de construire un bateau comme celui-là? Alors celui-ci, on est sur un cycle d'environ 6 mois de production pure. Qui mobilise combien de personnes à peu près? Et qui mobilise ensemble dans cet atelier, on est autour de 150 personnes. Voilà, sachant que en fait, entre le moulage, les 4 postes de production, plus la préparation avant mise à l'eau dehors, on a un encours permanent d'environ 6 à 7 bateaux. Alors concrètement, ça vaut combien aussi un bateau comme ça pour le grand public? Ça, c'est un bateau qui, bien équipé, sort à environ 4 millions d'euros hors taxes. Alors votre succès est tel aujourd'hui que vous avez même du mal quasiment à recruter, à trouver de la manœuvre qualifiée. Comment vous faites? Oui, depuis effectivement 2 ans, on voit que le marché de l'emploi s'est tendu. Hein. Il y a beaucoup de demandes de toutes les industries. Et donc on a dû, muscler notre service ressources humaines. Et deux, on a passé des accords non seulement bien sûr avec Pôle emploi, mais aussi maintenant avec des maisons de quartier tout autour pour faire venir des jeunes qui habitent pas loin du chantier pour travailler chez nous. Et c'est aussi une seconde chance parce que ce sont souvent des jeunes qui sont en échec scolaire ou en difficulté d'insertion. Hein. Exactement, donc l'entreprise a un rôle social et on essaie de le jouer à plein. Alors du coup, vous avez même créé votre propre école de formation. Oui, puisque recruter tout ce monde-là, on a dû aller à cause de cette tension dont je parlais sur le marché du travail vers des gens qui n'étaient pas formés. Donc qui dit pas formé dit qu'il faut les former. On a au sein du groupe Beneteau une école de formation qui marche extrêmement bien puisque c'est environ 2000 personnes par an qui y passent. Et on leur a demandé en fait de nous aider à développer notre école de formation ici puisque celle du groupe est en Vendée, qui est le siège du groupe. Les formateurs du groupe ont formé les formateurs de CNB. Donc on a maintenant 2 formateurs à plein temps et avec l'objectif de faire passer tous ces jeunes qu'on emploie sur une formation. Alors là, on parle essentiellement des métiers du composite, du bois et de l'électricité. Oui, des métiers qui sont très particuliers, avec de vrais savoir-faire. Ça prend du coup combien de temps de les former à peu près? Alors, ce sont des stages qui vont, généralement, c'est entre une semaine et 2 semaines. Mais voilà, l'idée, c'est de faire, on fait un stage d'une semaine, ils repartent dans l'atelier et puis on va les reprendre après sur un autre stage suivant au fur et à mesure. Ce qui est intéressant parce qu'ils alternent comme ça la théorie entre guillemets et la pratique. Exactement, c'est important. Ouais. Thank you.
demande souvent à quoi ressemble justement la cabine du capitaine du bateau. On voit ici cette cabine qui est quasiment terminée. Qu'est-ce qu'on trouve justement comme matériaux dans cette cabine? Voilà, donc la cabine propriétaire du Lagoon 70, qui est déjà un beau studio, hein, elle fait 22 mètres carrés avec la salle de bain qui est derrière nous. On trouve un des bois, des jolis bois. Ici, on est sur du noyer fil au niveau des meubles. On a un plancher aussi dans un noyer gris. Et puis, on va retrouver des habillages avec des tissus très haut de gamme mode. On va retrouver du cuir très souvent, avec des dessus de table en cuir et puis des matériaux un petit peu plus modernes comme de l'inox, voilà, des petites fargues inox comme ça, des poignées de porte en inox. Voilà, c'est un mélange de tout. On reste dans le sobre. Lagoon n'est pas une marque qui fait du chauffe et des choses matues avec du doré et ainsi de suite. C'est ce que recherchent aussi justement les clients. Voilà, nos clients ne recherchent pas justement de trop montrer en fait. C'est des bateaux qui sont sobres mais extrêmement élégants en fait. On va regarder la salle de bain. Ça ressemble quasiment à une salle de bain qu'on pourrait avoir chez nous. Oui, mais elle est grande. Oui, on a une grande douche dite à l'italienne ici, un WC derrière moi, et puis le tout avec une résine type Corian imitation marbre au sol. Sur les plantes vasques. Donc voilà, tout ça, ça fait... Comment vous avez vu évoluer justement les demandes aussi des clients par rapport au mobilier? Parce que si on regarde par rapport à il y a 5 ans, ça a changé évidemment. En fait, c'est assez simple. Sur ces grands bateaux et d'une manière générale, l'industrie nautique suit les tendances de la maison. Donc on travaille avec des designers intérieurs qui font aussi parfois du bâtiment. Et on voit que les clients sont très tournés vers ce qui se passe aussi dans l'habitat. On est depuis quelques années sur des lignes beaucoup plus tendues. Vous voyez que par rapport à il y a ne serait-ce que 10-15 ans, il n'y a plus de courbes. On est sur des lignes droites, comme on le voit ici. On a arrêté de faire des courbes dans tous les sens. Voilà, c'est la tendance actuelle. Peut-être que dans 10 ans, je vous dirai autre chose et qu'on sera revenu à la courbe. Mais il y a un vrai suivi là-dessus. Et l'ensemble de Lagoon, enfin toute la gamme est dessinée. On travaille avec un cabinet italien qui s'appelle Nota, qui est extrêmement connu dans le monde du design de grands bateaux, mais aussi de bâtiments, comme je l'ai dit. Donc comme ça, on est toujours au top de la tendance. Alors nous sommes à l'ébénisterie, c'est une activité qui tourne quasiment 24 heures sur 24 en fait. Oui, donc ici on est dans une zone où qui fabrique, on part, j'allais dire quasiment du bois d'arbre. Non, on n'en est plus là. Mais c'est une zone où effectivement on prépare tout le bois pour qu'il va aller dans les bateaux. Et en fait on fonctionne un petit peu façon IKEA, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'on va faire les caisses qu'il y a derrière nous. C'est une caisse, c'est un meuble, et c'est un meuble qui est affecté à un bateau bien précis. C'est l'une des clés, on le disait tout à l'heure, de votre modèle industriel. Exactement. Et donc, ces caisses, une fois complètes, vont arriver à un moment extrêmement précis sur l'axe de production. Et elles vont être montées par des équipes là-bas, qui sont spécialistes. Et chaque panneau de bois, vous voyez, est référencé avec des codes barres, et l'équipe qui va monter le meuble sait exactement où va ce panneau de bois et comment le monter, parce qu'ils ont des modes opératoires. Voilà, donc cet atelier fonctionne aujourd'hui en 3-8. On a des machines à commande numérique en fait qui tournent tout le temps pour alimenter la production. Donc vous voyez les caisses qui sont derrière nous, l'atelier produit à peu près 1200 caisses par semaine qui sortent d'ici. Donc c'est beaucoup. C'est énorme. Oui.
votre rythme de production est tel qu'aujourd'hui, vous mettez un bateau à l'eau tous les deux jours. Oui, donc ici, on est sur un axe de production dans un bâtiment qu'on appelle Bordeaux 3, qui est la chaîne des lagunes, les catamarans, donc qui vont de 15 mètres jusqu'à 19 mètres. Donc on fait plusieurs modèles sur cet axe-là, qui est un axe unique en fait. Et c'est une chaîne qui bouge effectivement tous les deux jours. Tous les deux jours, il y a une coque qui rentre vide et au bout, il y a une coque qui sort totalement finie. Ça veut dire que vous mettez combien de temps au total à produire un catamaran ? Eh bien écoutez, on a ici sur cette zone-là, donc ça, sans le moulage, hein, puisque le moulage est fait avant, mais on est sur une chaîne qui a 12 postes de 2 jours ouvrés. Donc ça fait voilà, en gros 24 jours ouvrés de production pour un bateau qu'on prend de ce point-là qui sort du moule. C'est un atelier ici, on a près de, on est proche des 290 personnes, donc c'est un gros atelier. Et qui a un savoir-faire là aussi extrêmement poussé grâce à ce dont on parlait tout à l'heure, la logistique industrielle, puisqu'on a des flux qui nous permettent de construire des bateaux plus rapidement et moins cher que le. Ça, c'est votre marque de fabrique industrielle qui a permis justement d'avoir ce succès-là. Oui, exactement. Alors, qui sont les gens qui achètent ces somptueux bateaux ? Alors, c'est le plus souvent, effectivement, des particuliers. Je vous ai dit, on exporte 90%. Et en fait, on a trois types de clients. On a des clients qui vont acheter un bateau à la place d'une résidence secondaire. Et en fait, aujourd'hui, si vous voulez une résidence secondaire au bord de l'eau, notamment en Méditerranée, bah, finalement, le prix d'un bateau n'est pas complètement... écarté par rapport au prix de résidence, c'est plutôt moins cher, un beau bateau. On a des gens... moins contraignant quand même en termes de... Voilà, moins contraignant, puis ils bougent tous les étés, voilà. Ils vont partout. On a des gens qui ont du temps, qui ont vendu leur affaire et qui décident de partir 6 mois, 1 an, 3 ans autour de la Méditerranée, autour de l'Atlantique, autour du monde. Et donc ça, c'est des programmes intéressants. Et puis après, on a des clients qui vont acheter un bateau pour le mettre en gestion d'une société de charter. Ça, ça se développe énormément. L'avantage, c'est que votre bateau est entretenu et vous rapporte de l'argent, en fait. C'est ça qui est assez peu connu dans le monde du bateau. Et donc, ils viennent dans tous les cas, pour toute la production qu'on a ici à Bordeaux, chercher leur bateau sur le quai que vous voyez derrière nous ici. Pourquoi ? Parce que nos bateaux sont tellement gros qu'ils ne sont pas transportables par route. Donc, on les met tous à l'eau. Et c'est le côté sympathique de ce ponton et de nos équipes de livraison qui livrent les bateaux aux clients. C'est qu'en fait, on rencontre des gens qui viennent du monde entier, très souvent avec leur famille, parce qu'ils partent en famille. Et ils arrivent ici avec toutes leurs affaires. Ils ont envoyé avant un container et on leur fait la mise en main. On leur explique comment fonctionne le bateau et puis ils partent. Et là, c'est un début de voyage sympathique puisqu'ils ont près de 80 km pour aller jusqu'à l'océan. Et c'est 80 km sur la Garonne puis la Gironde qui sont superbes. Donc ça, c'est un voyage qu'ils adorent. Quand je vous écoute, justement, on se dit, dans les 5 prochaines années, vous pouvez encore avoir un développement aussi important que les 5 dernières ? Non, on va essayer de stabiliser parce que la taille du site fait qu'on est proche de... Ah, vous êtes quelqu'un à l'étroit déjà, voilà, presque. Merci beaucoup. Vous nous avez dévoilé les coulisses de votre entreprise, CNB, qui est l'une des plus belles entreprises industrielles de Bordeaux. Et on va se retrouver évidemment pour d'autres aventures bientôt sur TV7.